L'apparition des systèmes onisme, socialisme, anarchisme, impérialisme, communisme, etc., les taches solaires ont commencé à pulluler à la surface de l'astre diurne. Dieu refuse d'éclairer les rouges. Et les savants annoncent une formidable augmentation des taches solaires depuis l'apparition des beatniks, des provos, et surtout depuis les encouragements au pacifisme venus de certains pays comme l'Italie, la France et les Scandinaves. Pour moi, qui assume le commandement des forces de l'ordre du nord du pays, j'ai voulu profiter de cette occasion de m'adresser à vous, aux fonctionnaires de l'État. Nous devons préserver les parties saines de notre société et nous devons guérir les parties atteintes. Arrêtez tout! Thomas, décroche-moi ça! Mais vous savez très bien que pour une réunion en lieu clos, il ne faut pas d'autorisation. Je m'en fous! Je ne veux pas d'histoire! L'autorisation, sinon vous n'aurez pas la salle! Déclenchez-moi tout ça! Mais non! Mais vous ne faites pas ce que je vous dis! Je suis chez moi, ici. Apportez l'autorisation et je remets tout en place. Sinon, trouvez une autre salle! Toi, déclenche-moi ça! Mais soyez raisonnable! Comment trouver une salle maintenant? Et comment prévenir 3 ou 4 000 personnes qui vont arriver de tous les quartiers de la ville? Je ne savais pas ce que c'était comme réunion. C'est écrit sur leur su et vous l'avez signé. Bon, c'est plus signé maintenant. Voilà votre chèque. Et je vous enverrai des dommages et intérêts. Je vous en prie. Ils vous ont vraiment menacé. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Enfin, voyons, on ne refuse pas une salle pour laquelle on a été payé sans avoir subi d'énormes pressions. Vous entre les avocats, vous cherchez toujours... Monsieur Bosini, vous êtes un homme honnête. Alors dites-moi qui est derrière cette histoire. Quelle est la vraie raison? Fichez-moi la paix! Je ne veux pas vous donner ma salle, c'est une bonne raison, non? Et si elle vous plaît pas, trouvez-en une qui vous fasse plaisir. Vous ne trouvez pas que c'est plutôt à nous de nous énerver? Mon père est mort aujourd'hui, ça vous suffit? C'était le désert. Les jeunes sont avec lui, il plaît aux femmes. Communiste? Oh, sûrement pas. Il cherche à dégager le pays des influences étrangères.
Aux prochaines élections, il ramasse tout. Il a de la gueule. Quoi? Il a de la gueule. Champion olympique dans sa jeunesse. Médecin, professeur à l'université et député honnête. Complet, quoi. Il est aussi au Bolchoï. Il faut absolument le convaincre d'annuler la réunion. C'est ça, on se dégonfle. Il ne s'agit pas de se dégonfler, il s'agit d'éviter la provocation. Non, il faut organiser un service d'ordre avec les étudiants. C'est ça, la bagarre, tout ce qu'ils cherchent. La non-violence, toujours la non-violence, vous n'en avez pas assez. Notre force est dans le calme et dans le respect des lois. Plutôt la loi de la jungle, oui. On n'aurait jamais dû se laisser coincer dans cette salle. Ça sent le coup monté. Un coup monté par qui? Nous exigeons le démantèlement des bases étrangères, la CIA. Tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin? Pour quelques extrémistes bornés qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Et les menaces de mort. Et alors, c'est pas la première fois, non? De toute façon, chacun de nous a pris ses risques. Nous, on va à notre réunion. Députés, tous pourris! Tous pourris! Députés, 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 tous pourris! Pourquoi? Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence? Pourquoi la paix leur est-elle aussi intolérable? Pourquoi ne s'en prennent-ils pas à d'autres organisations et mouvements? Mais nous parlerons. Nous sommes au service du peuple et le peuple a besoin de vérité. Le peuple est dans la vérité. Plus de photos. Qu'il retourne au Bolchoï, ces deux-là. La vérité est le commencement d'une action puissante et unique. Le peuple a besoin de vérité pour agir. Personne ne doit. Ils veulent encore cela. Des folies, bien sûr. Seulement, nous sommes raisonnables. Nous refusons. Va leur expliquer que c'est toujours les nôtres qu'on assassine. Il est vivant, Manuel. Mais il est cliniquement mort, pourquoi tu rêves? Cliniquement mort, ont-ils dit. Le cerveau est détruit. Mais le cœur bat. Il ne veut pas s'arrêter, le cœur. Il bat. Il suffirait d'un mot. Il descend en ville, il casse tout. Pourquoi on les retient? Oh tiens, je me demande si nous avons encore la volonté de nous battre. Lui, il l'avait. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Nous, on nous laisse. Très bien, très bien. C'est tout ce que j'ai trouvé. Les journaux du matin. La police rejette sur nous la responsabilité des incidents. Tu veux du café? Non, merci. La retransmission du discours par les haut-parleurs a constitué une véritable provocation. Le caractère antinational des propos tenus, l'attaque délibérée de la politique étrangère du gouvernement, ont provoqué une riposte spontanée de la foule. D'où le climat de violence et de regrettables incidents survenus. Les forces de l'ordre ont accompli leur devoir avec sérénité. Dans cette lourde tâche, deux officiers de la gendarmerie
et 11 agents de la force publique ont été blessés. C'est ce que le général a déclaré aux journalistes. Je pense qu'il faut faire un communiqué pour répondre à ça. Exactement. Il faut souligner le caractère pacifique, le calme qui a régné chez nous. Notre réunion était autorisée. Elle a été autorisée pour être mieux sabotée par la police et ses complices. On ne peut pas parler de complicité tant qu'on n'a pas de preuves. On a 1000 preuves. On n'en a aucune de sérieuse. Tout ce que j'ai pleuré, la passivité et l'inefficacité de la police. Ce n'est que par la suite qu'on pourra utiliser toutes les failles, toutes les contradictions sur le plan politique. Et pourquoi pas en charger la Croix-Rouge ou la Commission des droits de l'homme? Vous proposez une déclaration défensive et pleurnicharde, alors qu'au contraire, il faut les attaquer, il faut dénoncer les responsables. Et descendre dans la rue avec des armes. Mais pourquoi pas? N'importe quoi, alors. C'est inadmissible. Sans aller jusque-là, nous pouvons envisager... Nous n'envisagerons rien du tout. Nous devons rester dans la loi. Ça fait des années que nous restons dans la loi. Ce n'est pas le moment d'en sortir. C'est notre seule voie pour exploiter l'affaire au maximum. Cette affaire ne doit pas se retourner contre nous. Exactement. Vous n'avez pas honte. Il est en train de mourir à 10 pas d'ici. Quelle a été votre réaction en apprenant la nouvelle? Est-il vrai que le président des États-Unis vous a envoyé un télégramme? Le texte de ce télégramme. Êtes-vous un couple idéal? Est-il menacé de mort? Laisseriez-vous les communistes se servir du nom de votre mari? La police parle d'accident. Est-ce que vous croyez à une tentative d'assassinat? Pourquoi vous avez fait venir un chirurgien anglais? Vous n'avez pas confiance? Il l'opère pour la troisième fois. Monsieur le directeur de l'hôpital. Monsieur le directeur de l'hôpital, un accident est arrivé à votre mari. Maman! J'ai connu votre mari. Nous avons fait une partie de nos études ensemble. J'ai voulu le suivre quand il a fait son marathon pour la paix, mais comme c'était interdit, je n'ai pas pu. C'est grave, mais il s'en sortira. La fracture provoquée par la chute a défoncé la voûte crânienne. Indiscutablement, la masse cérébrale a été atteinte. Le choc d'une violence inouïe a provoqué dans l'espace clos du cerveau une véritable explosion, une sorte de séisme cérébral. Il est impossible actuellement d'évaluer les traces physiques et psychiques de cette commotion, même si l'opération réussit. La troisième tentative chirurgicale vient d'être commencée. En fait, le seul point positif est la résistance cardiaque du mourant. À son arrivée à l'hôpital, nous avons pratiqué un massage du cœur, injection d'adrénaline également. Son cœur est d'une résistance étonnante. Il est reparti, il bat régulièrement. Venez, madame. Général Miss, inspecteur de la gendarmerie. Madame, un stupide accident. Nous déplorons tout. Ministre, monsieur le directeur de la police. C'est non le coupable, madame, c'est un voyou. Monsieur le procureur général. Ça fait monsieur le juge d'instruction.